Les sons dans l'espace, il y a... Mais dans quel espace? Le cosmos. C'est un piège? Oui. Tu dois la comprendre, l'entendre. Oui. Bah si on s'en réfère à ce que je... mes connaissances en science, il n'y a pas de son. Où sont les toilettes? Tout cet univers infini de résidus électromagnétiques. Un peu de tout. Mais en beaucoup plus grave. J'ai pas le temps. Parce que c'est juste peut-être pas nous qui ne captons pas le son. Tone de radio, gamma, X. C'est toujours bien ce que je fais, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Ouais. Je fais des études sur l'espace, en fait. Moi, je pense que dans l'espace, ça fait des trucs du genre... Il n'y a pas de bruit dans l'espace. On imagine des banquets collaboratifs et collectifs où tout le monde, comme dans les banquets, quoi, tout le monde prend des initiatives, et notamment on cuisine ensemble. Et on cuisine que... enfin, les matières premières, c'est que des choses qu'on a soit trouvées, soit récupérées, etc. Donc ça, voilà, ça coûte rien. Et surtout, c'est très agréable. C'est souvent très très bon, puisque comme on invente les recettes sur place, avec les, comme c'est nous qui avons tout fait, ben on trouve que c'est bon, quoi. C'est psychologique. Mais et souvent, il y a des gens qui cuisinent très bien, en fait, qui ont de super idées. Il y a vraiment une espèce d'intelligence et de création collective comme ça qui, autour de la nourriture, qui crée une atmosphère très ouverte, très chouette, et où les gens se sentent bien. Voilà. Thank you.
Red one. Thank you.
Parce que vous êtes un de nos clients privilégiés, vous avez été sélectionné pour recevoir un aperçu sur cassette de la toute nouvelle collection musicale de Reader's Digest, Invitation au thé dansant. Elle vous offre 120 mélodies pour danser, vous amuser et vous détendre. Des valses entraînantes comme cette petite valse, une composition de notre compatriote Joe Helm, et comme le toujours populaire Pigalle et le plus classique Aimer boire et chanter, ici dans une interprétation de Franck Pourcel et son grand orchestre. Chers amis, bonjour. Aucune paire de chaussures ne sera martyrisée durant ce thé dansant, aucun animal assassiné et aucun débord de langage usité. Je vais vous raconter quelques histoires. La première est celle d'une entreprise et d'un adultère qui s'y déroule. C'est une entreprise. C'est une société anonyme établie à Enaten. C'est une SA active dans le domaine du transport routier. C'est un plateau sur lequel travaillent une dizaine d'employés. C'est un employé occupé comme dispatcher en CDI temps plein. C'est un dispatcher qui a 3 ans d'ancienneté. C'est un dispatcher dont le bureau fait face à celui d'une employée au service facturation. C'est une employée au service facturation engagée depuis 1996. C'est une employée dont l'époux, germanophone, travaille comme représentant de commerce. C'est un époux qui travaille pour partie en Belgique, pour partie en Allemagne. C'est un lien. C'est une liaison qui s'est construite à petits pas. C'est une liaison adultère entre 2 collègues de bureau. C'est une liaison entre un dispatcher et une employée au service facturation. C'est un temps midi. C'est une pause de travail de 12h30 à 13h, étendue ce jour-là jusqu'à 13h30. C'est un rendez-vous sur le parking de l'entreprise à 12h30. C'est un véhicule qui appartient en propre à l'employé du service facturation. C'est un véhicule de marque Kia, de type Rio de teinte blanche. C'est une Kia qui la véhicule, elle et le dispatcher, dans un lotissement à Lonsen. C'est une distance entre l'entreprise et la rue du lotissement évaluée à 8 km. C'est une maison. C'est une maison en briques dans un lotissement à Lonsen. C'est une porte d'entrée en PVC que l'on ouvre avec une clé Yel. C'est un couloir qui mène à un escalier qui mène à l'étage. C'est une chambre. C'est une chambre conjugale dotée d'un lit matrimonial d'une largeur d'1m60. C'est une chambre dans laquelle pendent des chemises du mari parti en Allemagne.
On va peut-être orienter nos oreilles, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on écoute tous les sons qui viennent de notre droite. Et puis tous les sons qui viennent de notre gauche. Alors, une en arrière et une en avant. Eh bien. Je vais essayer à l'envers. Je vais essayer un peu plus vite. Ça, c'est à l'envers. Je viens. À l'envers. Alors en fait, le spectre du son, c'est toute la partie blanche, c'est la feuille. Ce qui est écrit en noir, c'est ce que j'ai expliqué, c'est une passoire, c'est là où passe le son. Là, c'est les graves, là, c'est les aigus. C'est pour ça qu'on a vu qu'une note se dessinait ici. Elle est sur le champ des hauteurs à la fréquence. Elle est sur une note régulière, mais il n'y a pas de variation. Non, parce que c'était une note tenue qui était... Bon, attention. 800 Hz. Là, il était chouette en fait le bruit. Mmh.